Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la suite de la vidéo précédente haul AliExpress, puisque la vidéo faisait déjà 15 minutes, donc je me suis arrêtée là. Mais je vous parlais, si vous vous souvenez, des boules en verre. Et en fait, j'ai oublié de vous présenter ceci. C'est un lot de 100 boules en verre. Je vais vous montrer. Comme ceci. Moi, j'ai pris des petites. Elles font, je crois, 1,4 cm. Et avec, il y a des... Ce qui est bien, c'est qu'il y a des attaches dorées et argentées. Donc, je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine de chaque. Et ça, c'est super cool. Alors, c'est bien emballé avec des petits morceaux comme ça. Entre chaque boule. Et en plus de ça, c'était dans une enveloppe bulle, plus enroulé avec au moins trois tours de rouleau de bulle. Donc ça risquait pas d'arriver cassé. Alors, on va parler breloque. Ah, je vais sortir tout ce que j'ai en breloque. Ça en fait partie. Voilà. Donc pour commencer déjà, j'avais pris des lots comme ça d'anneaux. Donc c'est rose gold, argenté et doré. Alors, je suis un peu déçue des couleurs. Puisque là, c'est un rose gold qui tire une feuille blanche. J'ai pas ça. Je vais mettre sur l'étiquette. Qui tire vachement vers le cuivré. Vous allez vraiment voir, je pense. C'est léger, mais bon, ça, je pense que ça devrait aller. En revanche, ça c'est des chaînettes rose gold normalement. Hop. Bon, qui mesure je crois que c'était 50 cm. Donc celles-là, elles font rose gold très clair, mais du coup ça va pas avec. Et je voulais voir aussi si les embouts peuvent aller avec. Je pense que ça va être très compliqué. Non, ça ira pas du tout. J'ai pas un rose gold de la même couleur. Bon. Et pas tant pis, ma foi. Donc là, c'est une grande chaînette. D'ailleurs, j'ai commandé aussi des rivets comme ça, là. Enfin, vous savez, pour bloquer la chaîne. Puisque c'est des grandes. Et je vais pas mettre une grande en bijoux, hein, vous imaginez, sur un album. Donc voilà. Le gris. Enfin, l'argenté fait vachement blanc. Mais bon, ça passe encore. Et le gold, il tire vachement vers le jaune. Donc, j'espère que j'arriverai à les utiliser. Pour continuer dans les chaînettes, j'ai pris le même lot que les rose gold là, en argenté et en doré. Le doré là tire vers le jaune et l'argenté n'est pas du tout de la même couleur que les anneaux. Ça va être sympa de faire des bijoux, je pense. Ensuite, j'ai pris de la chaînette blanche. Ça, c'est un lot de 50. J'ai pris ce qui était censé être mint, du vert, du coup. Et du rose. Et là, du rose. Les deux là, ce sont des lots de
30. Celui-ci, c'est du jaune un petit peu. C'est un lot de 30 aussi. Et là, c'est du noir, un lot de 30 aussi. Et j'ai pris un lot de 50 chaînettes différentes avec plein de couleurs. Donc voilà, il y a du bleu, du violet, du vert, du noir, du rouge, du blanc, du jaune. Il y a deux tons de violet, il y a du rose. Enfin voilà, un mélange de couleurs. Ensuite, en breloque, j'ai pris... J'ai pris des petites glaces comme ça. Donc, elles sont blanches. Il y en a 10. J'ai dit des glaces, mais c'est plutôt des sucettes. Ici, par contre, ce sont des glaces. Donc là, c'est un lot différent avec différentes sortes de glaces. Je pense que il y en a deux de chaque, j'ai bien l'impression. Non, celui-là, il y en a trois. Celui-là, il y en a quatre. Et... un de chaque comme ceci. En breloque, j'en attends encore. Notamment les plus belles, entre autres. Elles devraient arriver aujourd'hui normalement. Et ici, c'est du feuillage doré. Tout simple comme ceci, recto verso, c'est pareil. Elles sont très belles et je crois qu'il y en a, il y en a pas 10. Je crois que c'était un lot de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 21. Hop. Et ensuite, j'ai pris des petits pompons. Enfin, comme ceci. Normalement, vous savez, on met ça aux boucles d'oreilles. Et du coup, je trouve ça sympa comme ça. Donc là, c'est dans les tons roses. J'ai pris aussi dans les tons un peu beige. Ça fait un peu taupe, je dirais. Et là, c'est un lot de différentes couleurs. Donc il y a du rouge, du noir, du vert, du jaune, du bleu, du violet. Donc voilà pour les colocs. Hop. Ensuite, j'ai commandé des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, encore des cœurs. Mais c'est des tout petits cœurs en fait. Et il y a différentes sortes. Par exemple, là c'est deux roses, mais deux roses complètement différentes. C'est tout chez le même vendeur, ça. Avec les nœuds aussi, je vous montrerai. Donc voilà, ça c'est deux roses. Plus celui-là. Celui-là, il est pailleté. Il fait lilas un petit peu. Et il mesure 1,5 cm par 1,5 cm. Toc. Moi, j'ai une question. Les filles qui ont commandé ce genre de cœur, vous les rangez dans quoi? Vous les laissez dans les sachets ou vous les mettez dans des boîtes?
Bonne question. Ici, ce sont des mints, mais je ne vois pas la différence. Si ce n'est que la quantité ici, c'est 100 et ici, je pense que ça doit être 50. Donc voilà. En doré, on a ici, désolé pour le bruit, un doré différent, pailleté. Il y en a un qui tire un peu vers le jaune, celui-ci. Et puis l'arrière n'est pas du tout le même. Ici c'est jaune et ici c'est blanc. Pareil, la quantité ici 100 et ici 50. Ici il y a 100 dorés mais 100 paillettes. Là c'est un peu crème. Ils sont très beaux aussi. Et ici, alors, là c'est un mix de sang avec plein de couleurs différentes, notamment des blancs. Ça c'est cool. Il y a de l'argenté. L'argenté, je n'en ai pas acheté en paquet comme ça puisque c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc voilà, il y a un mix de couleurs vert. Il y a lilas notamment qu'on a déjà. Il y a du doré. Du rouge, enfin, un petit mix. Et ici, pareil, c'est pas les mêmes. Il y a de l'argenté aussi, un peu comme les cœurs là. Il y a du rouge, l'argenté. Voilà quoi. Un petit panel de couleurs. Ensuite, j'ai pris des nœuds. Les nœuds, j'ai été raisonnable. Ah, et j'ai oublié de vous montrer deux cadeaux. Ça, c'est de la feuille dorée qui allait avec la cire pour les cachets de cire. Et ça, c'est, je sais pas quoi, un aimant, je pense, qui allait avec un lot, mais je sais plus du tout lequel. Voilà, en nœud, j'ai pris les nœuds là. C'est Dan qui les avait utilisés et franchement, ils sont juste trop beaux. Il y a des petits sequins à l'intérieur. Donc du coup, j'ai pris un mélange de couleurs. Il y a gris, rose, violet, mint. Il y a deux roses différents. Par exemple, il y a un foncé et un clair. Et voilà, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je me demande si c'est pas un lot de 24 puis que j'en ai oublié de compter. Que j'en ai oublié un. Je pense que c'est ça, un lot de 24 d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait des petits nœuds. Comme ceci. Donc là, c'est un mélange de couleurs. Ici, on a du doré, du mint et du rose couleur lilas. Ça me fait penser à. Bah, il est où? Pas celui-là. Ah, bah, il est là. À la couleur. Ouais. Les nœuds sont quand même plus clairs. Donc là, un mélange. Et puis ici, c'est un mélange aussi de couleurs, mais les nœuds sont plus gros. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Donc, voilà. Je pense que j'ai quoi faire. Et ensuite, j'ai reçu, alors très bien emballé. Donc, un lot de 12 appareils photo. Je peux les enlever, je vais les ranger. Donc ici, la place de l'objectif, c'est une étoile. Et ici, c'est
un rond, un cercle, comme ceci. C'est qui taille la boutique exactement comme... Et bien comme dans la vidéo précédente, le cercle à broder et puis ça, vous savez, les gouttes d'eau, c'est exactement le même vendeur. Donc du coup, en plus j'ai pris des enveloppes, donc c'est un lot 12, donc il y a grande enveloppe, petite enveloppe, donc c'est un cœur au milieu. J'ai pris également un lot de Polaroid. Ici c'est marqué Hello. Ici c'est So Much Fun. Ouais, c'est ça. Ici il y a un nœud et un cœur. Et dans cette boîte, alors je crois qu'il y avait des cadeaux, notamment ça. Parce que j'ai pas le souvenir qu'il y ait tout ça. C'est des découpes en bois. Donc là, il y en a deux fois. Birthday, donc il va y avoir le happy quelque part. En fait, c'est Gaëlle qui en avait commandé. Et par contre, j'adore puisque pas de risque que ce soit cassé puisque ça arrive déjà dans une boîte. Donc là, il y a encore deux appareils photo. C'est cool. Là, il y a... Oh, elles sont trop belles les découpes. Love is in the sky. Donc ça. Ensuite, une petite bulle. Kiss me. Elles y sont toutes en deux fois les découpes. Toc. Donc, je pense, ce qui est en cadeau, c'est le birthday, le papillon, ça, la clé là, et l'oseiller. Donc, je pense que ça, c'est les cadeaux. Voilà. En tout cas... je ne suis pas du tout déçue de ce vendeur. Les découpes en bois ont l'air bien costauds. Et du coup, moi, ben, je vais les laisser dans la boîte là. Hop. Hop. Donc, bah voilà. J'ai fini le haul AliExpress. À voir si j'en reçois encore aujourd'hui. On est samedi. Normalement, je devrais encore en recevoir. Quand je ne sais pas, sachant que hier, mon dernier colis a été expédié. Donc voilà. J'espère aussi ne pas avoir de taxes. Donc voilà. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!